dès que tu fais autre chose, paf. Tu vois, je savais que si je lançais pas l'enregistrement vidéo dès le début, j'allais l'oublier. Et bah, tu vois, ça a pas loupé. Ça fait juste 1h54 qu'il m'a fallu pour m'en rendre compte. Hein. Puis le temps que je dis ça, que je regarde, que je fasse. Hop là. On va faire un virage 3 à 250 mph. À mon top. Top à droite. Virage droite et on reprend la côte. Point de référence. Sur votre aile gauche. À 250 mph. Je dégauchis maintenant. Il y a une commande pour faire disparaître toutes les écritures d'un coup là ? Ouais, Shift F2. Oh. Ouais, je sais, je l'ai vu. Waouh. Personne à côté de moi. Ah, si. Si, si. Je suis présent. Ouais, c'est moi qui fais un peu de vidéo là. Parce que je regarde à gauche et à droite et j'ai pas trimé la machine. Donc... Bon, ici je peux le faire. Hein. Moi, j'ai... Et Damien, je suis derrière toi, je peux le faire aussi. Ah, Robocop wow. Aussi arrive. Virage droite, toujours à la même vitesse. À mon top, 1, 2, 3 et top. Virage droite et on relonge la côte pour prendre référence visuelle. On prend large. Hein. On tourne autour de la briqueterie là, qui est à droite. Là. Allez, on relonge la côte. Ça fait faire pof. Je dégauchis. Mais non. Le Shift F2 ça désactive pour les avions mais pas ce qu'il y a au sol. Ah, tiens tu fais Shift F10. F10 et t'auras tout. Ah, ouais effectivement. Je suis la courbure de la plage hein.
contre, ce qui est de ballot, c'est que je vois plus les étiquettes, c'est bien. Mais je sais plus qui est qui. Tu parlais tout à l'heure, c'est quoi? Je suis passé un peu près de ça. Parce que moi, tu vois, Tango, c'est contrôlé. Si, putain, c'était contrôlé. J'ai dégagé. Parce que ma manœuvre était pas bonne à la base. La fin était contrôlée, le début non, mais la fin. Allez, on essaye d'attirer sur terrain. Pascal, je suis sur ta droite. En okay. Formation. Ok, visuel. Bah, on peut on peut faire un passage basse altitude en formation, par contre, pour le coup. Allez, basse altitude, virage droite, attention à mon top, stop, et on repasse vertical terrain. Mais basse altitude. Basse altitude, oui. Je dégauchis. Et on descend. Je rejoins l'axe de piste. Basse altitude. Prendre l'altitude. Et maintenant on regarde derrière pour voir qui s'est écrasé. Là je double quelqu'un à droite là. Hop là. Il y en a un qui s'est écrasé là. Non je sais pas. Non moi je manière moment par contre ça fait peur parce que je me suis pris dans le sillage de Dominique et ça m'a fait une petite turbulence juste au-dessus de la piste, j'étais pas bien. Allez, virage droite pour reprendre le long du littoral à mon top, top. On va faire une verticale sur notre terrain pour rejoindre la plage. Ce qui peut être sympa aussi en termes de visuel, c'est une formation, on longe la côte, tu sais. Et une formation le plus serrée possible en longeant la côte. À 300 pieds. Et après, on essaye de descendre. À 300 pieds pour une première formation, c'est trop short. Hein, parce qu'il y en a qui vont se manger de la flotte. Ou, on essaie de descendre qui? Attention, je dégauchis maintenant. Voilà les termes militaires normalement qu'on utilisait à l'époque. Voilà, maintenant, je sais plus que ça s'utilise. Oula, je suis passé pas loin d'un là. Enfin, pas loin. 50 mètres au-dessus, mais. Eh bien, je suis fort content parce que j'ai bien réussi à tenir. Je suis sur ta gauche, Pascal. Bah là, on est pas. Ah, visuel, Thierry. Hein. Oula, c'est là, 200 pieds là. Ah bon, enfin, moi je vois les embruns hein, sur mon pare-brise alors. On peut descendre plus bas hein. Allez go. Ah oui, 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 oui. On prend un peu de marge quand même. Voilà. Ah là il me dit zéro là. Il y a de la mouette. Ah. Il y en a, ça fait des sillages. Ah, le leader s'est planté. Non, c'est l'hélice qui a appelé. Qui a touché, ouais. Bon, j'essaie de poser. Ah. J'allais prendre une photo qui boum. Boum quoi? Bah, l'hélice de Nick a fini dans la photo. Mais comment juste... Comment il s'appelait le gars qui faisait du vol d'eau sur la mer et qui faisait un sillage avec sa dérive? Ça c'était dans les années 30. Ah je sais... ouais, t'as raison, ouais, ça me dit que ça me parle, ça, ouais. Il est vachement vu là. Je ne l'ai jamais vu en vrai.
Bon, on a des cartes. Est-ce qu'on ne... n'allégerait pas nos cartouchières? Ah bah, comme ça. Speed, pompé 51. Et puis Fog Group qui choisit son camp. Ouf. Je viens de faire une manœuvre à la mort moelle-neu là. À 20 pieds sol. Attendez, il a pas entendu le signal, il est déjà parti. Bon bah, let's go hein. Là, je me suis sauvé la vie tout seul à... au ras des flots là. T'as les canons. Je me suis écrasé moi. Voilà. Dans la flotte, c'est toi la gerbe de flotte là non? C'était moi, ouais. Bon bah, il y a un speed qui s'est auto-détruit parce qu'il avait peur de la bataille. Non, c'est pas spécialement pour ça, mais. Et ça a failli m'arriver tout à l'heure aussi, donc. Ah oh, putain. Qu'est-ce qui t'arrive, Chuck? Il a fait le bouffe. Aussi? Oui. Ah non, mais. Il est en train de me suivre, j'ai fait un genre de. Pseudo looping, j'ai pris dans ses 6 heures et. Il va pas qu'on tire. Attention, pas vous. Hein? Alors, où y a-t-il un corsaire? Ah, là, corsaire. Ouais, on parlait de Boeington tout à l'heure. Ah oui. Bon bah Thierry, t'es un avion allemand toi? Ah non, t'es un Spit toi. Ah bah t'es un Spit, ok, c'est Marc. Bah, je te le laisse alors. Ah bah oui, j'ai failli prendre un speed quand même. T'as failli prendre moi, oui, surtout. Bon, t'as réussi ton atterrissage d'urgence? À moi? Ouais. Ouais, je suis planté comme une merde sur un arbre. Attention, quand t'es... Ouais, c'est bon. Pouf, il y en a un qui a fait plouf, là. Mickaël. Bah alors, Mickaël. Il a voulu engager Sunbeam, mais ça n'a pas... Ah ouais, ça pas pris. Ouais. Je suis le seul P51 en l'air ou quoi, là? C'était moi. Ouais, il y avait de choc aussi, non? J'étais en train de suivre Mickaël, qui a essayé d'engager Sunbeam, et je pense que... Ah bah j'ai rien fait, moi, je savais même pas qu'il était là. Ah non, il allait s'engager. Enfin, il était... Ah non, j'ai essayé de te fuir, Ah ouais, bah c'est parce que j'ai vu Sunbeam passer à côté. Mais il est passé devant moi, mais c'était pas ma priorité. Bon Thierry, t'es pas loin, là. Allez! Attention, il y a un Fog Wolf qui a décollé aussi. Voilà! Merci, Tango! Bah, de rien, écoute! Ah, j'ai failli finir la baille. Voilà, il y a des frises là. Il arrive, Thierry. Il y en a un qui essaye de m'engager là. Non, non. Si, si. Ah, le soleil dans la tronche, bien joué Pascal. Ouais, je m'occupe pas de toi là, je cherche. Bordel de merde, par exemple. C'est cadeau. C'est passé. BMW 68, là, il y a deux speeds, mais il se passe rien. Je crois que tout à l'heure, il était tout près.
Peut-être que mon collimateur est mal réglé d'ailleurs par rapport à... Ça va Thierry, ça chauffe pas trop? Non, ça va pour l'instant. Il y en a un qui m'a tiré dessus, m'a touché le moteur là. Oh là, je vois passer des balles traçantes là. Ah oui, du coup tu vas être... Ah mince, t'es victime collatérale parce qu'en fait... Bon, là, alors, coup... Ok, bah, je vais me poser. Je pense que j'ai plus de moteur. Ah si, c'est bon, j'ai un moteur. Alors attends, si j'ai le moteur, je continue à chasser Thierry. Si c'est bon, c'est revenu. Hop là, il... Ouais, il y a eu un freeze là. Bon alors, qu'est-ce qui reste? Chuck, t'es où? Dans les arbres. Dans les arbres. C'est ta courbranche. Bon, donc du coup, il reste que Pascal, quoi. Oh, bon, plus pour longtemps là, parce que si ça continue, je vais me vautrer tout seul là. C'est bien parti pour. T'es où? Du côté du terrain et je vais pas tarder. Je te vois. T'as l'air de descendre dur là. Ah ouais, c'est bon, j'ai récupéré. Je viens de te mettre une rafale. Ah non, c'est bon, ça a pas touché. Thierry, il m'a eu là. Il m'a fait décrocher. Ouais, c'est vrai? Ah bien. Ah non, c'est pas ça, c'est que. Bravo Damien. C'est qu'il est parti en chandelle, j'ai essayé de le suivre, mais j'ai pas pu suivre, donc... Attention, tu fumes, parce que... Ah ouais? Ouais, t'es un peu tracé, ouais. Ouais, Damien est ton ami... Je viens de t'en remettre. Voilà, bah, je suis moteur arrêté, là. Je vais me poser dans le champ, hop là. Non, en vrille. Ok. Ça me rappelle un triste vol, il y a un mois. Bon, ben je vais suivre quelqu'un là. Qui c'est que je suis là, Tristan? Il y a un petit Michael qui se balade. Tiens. Je fais du tourisme moi là. Ah, j'ai plus de munitions, mince! Attends, j'arrive. Enfin, si, je dois encore avoir quelques obus de canon. Canon. Par contre, je l'ai perdu. Il est où? Il est là. T'as un tango aux fesses, Michael. Pas que. Un seul. Oula, Michael, ouais. T'es mal barré là. Ni à se rentrer dedans, parce qu'on va bien se rentrer dedans là, les gars. Qu'est-ce que ça fait, Michael? Un peu trop près du sol. Ah ouais, c'est ce que je me suis dit aussi, mais. Bon bah vu que Sumpy m'a plus de munitions, autant qu'il serve à quelque chose. Et puis je commence à pute encore. Ah, dis donc, Michael, t'es pas passé loin. C'est ce que j'ai vu. Bon, Thierry, je t'ai vu que t'as tiré sur un appareil au sol. Exactement, interdit. Exactement. Tu l'as dit tout à l'heure. C'est interdit. Il y en a un dans le ciel, moi, je me porterai. Hein. J'ai déjà eu du mal à décoller. T'as réussi à redécoller là? Ah bah je suis resté en l'air là. Ah ouais, ouais d'accord. Mais à bout d'un moment t'auras plus d'essence et plus de munitions, ouais. Donc t'auras pas le choix. Parce que sur le speed on n'a pas beaucoup d'essence. Sunbeam qui a chaud aux fesses. Hein? Sunbeam a chaud aux fesses. Il y a un truc qui carbure, qui crame bien du côté du hangar là, je sais pas ce que c'est. Tiens, ça va être un Sunbeam dans pas longtemps là qui va bien brûler. Il y a un Marc là qui se balade tout seul, hein. Je dis ça, je dis rien. Ouais, je l'ai vu. Merci. Bon,
Ah bah tiens, il est passé là, Marc. Ça, c'est qui devant? Ah, c'est Thierry. Hop là, il y a un truc à toucher là. Le boudel. Tu as touché le sol? Non, non, toi, ton boudel a été touché. Wow, wow. Ah ouais, ouais, il y a des mythes qui sont passés par là. Hop là, encore un morceau là. On t'entend de loin, Mickaël, hein. D'accord. On t'entend. Je t'entends très loin, Mickaël, personnellement. J'ai compris que t'allais t'arrêter, mais c'est tout. Et s'il y en a qui veulent se faire plaisir sur mon avion, ça. Qui veulent se faire plaisir sur. L'avion. Ah. Laisse un petit message à la rigueur. Parce que là, vraiment, pour moi, t'es pas vraiment audible. En tout cas, bonne nuit, repose-toi bien. Moi, je vois une bande de crèves la fin sur un sandwich, hein, mais à part ça, tout va bien. Moi, j'ai plus de munitions, faut que je me pose. Qui est le terrain? En bas, à ta gauche. Ouais, c'est ça, ok. Je crois pas qu'ils vont te laisser y arriver, mais bon. Ah, mais ça, c'est pas normal. Bah, ouais. Bon, alors, donc, on lâche Sunbeam et allez sur Marc. Allez, hop. Ça y est, j'ai trouvé Marc. Il va se crasher tout seul s'il continue, Marc. Oula, Marc. Ouais, c'est pas facile, moi, celle-là. Touché ouais, même, je pense. Hein. Ouais, mais je me suis crashé. D'un corps touché, je pense. Tu t'es crashé, Tango? Ah ouais, je me suis crashé. Il était trop serré, j'ai... Bon, là, moi, ça reste un atterrissage. Damien... Touché. Ah ouais, je vois ça. L'atterrissage raté. Oh, si tu l'abats dans les 3 minutes, Damien, montre en main, tu passes lieutenant. Oh, attends, je vais faire cette munition, normalement. Alors, attention, je vais lancer le chrono. Attends, j'ai plus de munitions. 3 minutes, je crois. Il est parti le chrono, c'était 21h30. Ok. On attend encore les quêtes. C'est marrant parce que qui c'est qui vient de s'écraser là? C'est moi. Tu peux rappeler, s'écraser, je vais changer de suivi. Bon bah. Je crois que pour les 3 minutes ça va être. À moins qu'il se crache tout seul aussi éventuellement, là comme c'est bien parti pour. Et du coup tu passes tout seul. Non, non, ça marche pas ça. C'est une action réussie. Il est quel grade, Chuck, Tristan? Lieutenant. Bon, tu veux passer capitaine, Chuck? Ah ben, c'est pas toi aujourd'hui qui va passer capitaine, Chuck. Hein. Ouais, parce que là, ce qui vient de se passer... Il m'a tué, en fait. Il m'a explosé. Allez, Marc, chasse-le donc. Écoute, c'est sympa, moi... Je sais pas sur quoi tu tires, Marc, mais gâche pas tes munitions quand même. Oh putain. Il y a quelqu'un qui t'a tiré dessus là. J'ai un doute, je vais passer des impacts sur la mer. Ah, on dirait que c'est Thierry qui a décidé de sortir de la réserve là. Ça y est, le Fox Volt, mais j'ai du mal hein. Ouais, bah oui hein. J'arrive pas à lire son pseudo. Bonsoir, bonsoir. Bah, j'ai plus de munitions. Qui c'est qui a plus de munitions? Thierry? Moi, ouais, Thierry, ouais. Toi, t'en arrives. Bah, c'est pas grave, tu le percutes et c'est bon. Non, mais attends, j'arrive.
Bon bah maintenant on va tenter l'atterrissage hein. Ah mais fallait le dire, si on a le droit de se rentrer dedans, y'a pas de problème, j'aurais fait depuis... Ça fait une demi-heure que je fais attention à pas lui rentrer dedans quand je... Bah alors Dominique, tu chasses les marques ou pas? Ah non, je fais des tours de piste, tranquillou, derrière la droite... Je vois ça, ouais. Allez Thierry, on laisse Thierry, il va se poser. Premier atterrissage, je suis avec toi Thierry. Ouais. Bon allez, tour de piste, hein, classique, hein. Enfin on va se la faire simple. Hein. Alors... Bon, donnez-lui les paramètres pour, le, pour l'atterrissage quand même. Moi je vois quelqu'un qui va décoller, qui a... Alors, ouais. Donc t'as sorti le train, ok, t'es à quelle vitesse là? Là je suis à... 135. Ah oui, 135 km nœud là, ouais. Donc 150 mph, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais, donc là t'es un peu rapide, faut le sortir. Ouais, donc tu réduis, donc tu laisses à t'étais à 2600 tours, tu joues sur la pression d'admission, enfin sur le boost. Ouais. Pour réduire fortement, hein, donc en fait il faut que en finale, il faut que tu sois vers les 120. D'accord. Et les volets, je les sors quand? 160. Tu peux, mais les volets, moi je les sors qu'au dernier moment, c'est toi qui juge en fait le... Boum. Ça y est, j'ai descendu marque. C'est pas vrai. Tu dégrades tes conditions. Pascal? Bah, en fait, j'ai pas surveillé parce que j'étais sur Thierry. Là, tu peux tourner en... commencer à tourner en bas, voilà. Marc? Qu'est-ce qu'il y a? C'est lui qui t'a battu? Vitesse combien? 120? Oui, j'ai voulu... Ok, t'essayes de maintenir 120. Là, tu passes en plein rafale. Tu passes en plein grand pas, c'est-à-dire que tu mets ta manette de pas pleine vers l'avant, quoi. Complètement vers l'avant, ouais. Si t'as besoin de faire une remise de gaz. Là, quand tu vas tourner en finale, tu vas pouvoir sortir tes volets. T'as l'air d'être bien parti, Thierry. Allez, surveille bien la vitesse. Voilà, Thierry se met en finale. Voilà, là tu viens de sortir tes volets, ok. Attention Marc. Et donc... fais gaffe, pour moi t'es pas dans l'axe de piste. Hein. Ah, nickel, bien. Et donc là, attention, ouais, doucement, vas-y, doucement. Reprends un peu de vitesse. La vitesse vers... Oula, tu désaxes. Oula, le rebond fatal. Remets un petit filet de gaz. Là, quand tu rebondis, tu remets légèrement du gaz pour l'accompagner en fait. Hein. Bon, là ça va te coûter cher en taxes. Hein. alors là, le tonneau final. Non, bah, explique, on comprend mieux hein. Pourquoi en vocal on est sur le bar du squadron. Hein. Ça brûle bon. Un peu. Alors l'avantage c'est que pour le rentrer au hangar il est moins large. Eh dis donc c'est génial là, il était en train de faire un roulage arrière tu sais. Ouais t'as vu il a touché la voiture, il a percuté la bagnole, ça l'a arrêté, ça l'a désaxé. Ah ouais. Bon alors Thierry, ah non je sais pas où c'est sur celui-là. Hier t'as un truc pour t'éjecter le cas échéant. Oh bah j'ai déjà ouvert la verrière hein. Bon. Alors, on en revient à Damien et à Marc. Il est où, Damien? Moi, je suis en vol. Allez, je te cherche. Ouais, donc, t'as été perturbé par le T-51 qui s'est passé devant toi. Tu veux que je descende Marc, encore? Alors, ok, Damien, je suis avec toi. Un seul qui a eu siège. T'es où, Marc? Allez, duel Damien, Marc, et moi, je surveille. À 6h donc j'ai un avantage quoi. T'es où Marc? Je suis presque en formation avec lui. Il passe devant moi. Ah ok. Bon allez, attention, il est 57, 58, 50. 28 secondes. T'as 3 minutes pour abattre Marc. C'est le premier défi. Thierry, tu repars non? Pas si temps. Ah, ok, bah, je ça va, Marc? Non, mais sinon, on fait un tour de piste. Je vais essayer.
Il est tenace le Damien. Bah oui, toujours. Il y a un morceau de marque qui est parti là, t'as perdu ton aileron. Ah, attention. Bon. Bam. Donc c'était combien? 28. Ok. 5. 1 minute. Bien joué. Bon, t'as mis une minute pour abattre un débutant. C'est pas mal. Tiens, il y a Chuck devant toi. Bon, je te le laisse alors. Je dégage Max, je le laisse. Seul contre tout. Reste dans les parages, Tristan. Attention pour les chronos dans 15 secondes. Il va être 29. En fait, le combat il commence, vous vous mettez en formation, puis à un moment donné, c'est parti. Vas-y, Chuck, laisse-toi rattraper, vous vous mettez en côte à côte. Dans 20 secondes. En formation, un côte à côte, hein, pas l'un derrière l'autre, côte à côte. Puis Chuck, je vais mettre tout à droite, comme ça tu pars à gauche, je pars à droite. Voilà, c'est ça. Dans 10 secondes. Attends, faut que j'essaie de le rattraper. Bon, Chuck, t'es prêt pour un break gauche. 3, 2, 1, Damien à droite maintenant. Allez hop. C'est parti. T'as 3 minutes. Bon, 2 minutes 30, pardon. Ah, super. Je sais pas ce qui m'est arrivé, j'ai dû rencontrer. Ah, mais j'ai rencontré une autre Jeep. Donc, on est parti à 30. Il y en a qu'une sur le terrain. Je l'avais pas. C'est moi ou Chuck? Chuck fuit. C'est pas juste. 30 secondes. Chuck accroché. Un truc bizarre, une minute. Premier tir au bout d'une minute. Il y avait un qui passait un peu. Attention, il faut pas qu'il se descende tout seul, hein. C'est toi qui le descends. Ouais. Je vais faire de mon mieux. Hein. Ah ouais. Ah non, mais c'est pour dire que si se plante tout seul, ça compte pas. Une 30. Bon, il va se cracher, il va pas mal. Non. Si. Cracher. Ah. Ok, on recommence. Qui c'est qui est en l'air? Michael est plus là. Ah, y'a personne qui se déclare en l'air là, on dirait. Non, là, moi, je suis seul. On y va avec Thierry là. Ça va être bien, j'ai tombé à court d'émotion, ça va être marrant. Essayer mes cadres. Ah, parce que faut être sûr quoi, avant de prendre l'air ici. Hein. À peine décoller. Moi, si tu veux prendre l'air, tiens, on va faire un essai de tir sur un objet au sol, Damien. Oui. T'es prêt, Thierry? Quoi donc? Il y avait pas une. Comment on appelle ça là? Une usine tout à l'heure là? Ah, la cheminée. Elle est un peu plus loin en face de toi, je crois, là-bas. Derrière le terrain. Ah, pas de dégâts, okay. Je te suis derrière, tu nous fais un tir dessus. Basse altitude. Et tu passes au ras des moustaches. Et on va voir si tu la touches. J'aimerais savoir. Attends, elle est en face de toi là-bas.
légèrement à ta gauche. Ouais, tu devrais pas tarder à la voir là. Le passage bas en tirant dessus. Voilà. Et en esquivant. Ouais. Ah, Top Gun. Entraînage avant de partir. Ouais. Fais attention à quoi ? Ah, t'as des rives. Quoi ? Regarde. Vous êtes trop bien. On regarde en sauce. Bah, c'est un peu le bordel. Ça a l'air d'être bien parti, hein ? Il s'est passé quoi ? Il y aura peut-être eu un petit accident. Bah, je sais pas, parce que là j'ai deux dérives en fait. Il y a un morceau par terre, je sais pas ce que c'est. Bah, j'ai rencontré personne. Et tu tires pas dessus là ? Moi je peux. Ouais, 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 ouais. Bien, allez, dégage. Bah, écoute, je vais. Oui, bien joué, c'était beau ça. Streaming à 2:35, à 2:30 minutes et 30 secondes. 2:31 pratiquement. Bien joué, super. Ati a fait mal là. Bon alors, qui c'est qui arrive là ? Attends, je vais me poser et ravitailler surtout. Ok, bon ben très bien pour un atterrissage alors. Allez, on regarde ça. Tu peux essayer de faire un atterrissage, pas le moteur ? Bah, c'est comme tu le sens. Allez, c'est parti. Tu passes dans les nuages aussi toi ou pas ? Ouais. Dans 0,5 petit. Ouais, moi je suis dedans. Là j'ai dedans pour moi. Ah, pas encore. Alors attends, monte pas trop haut parce que sinon on verra plus rien. Enfin au niveau de la caméra on verra plus rien. Ah là c'est bien. Là je vois le sol là. 2800 pieds c'est bien. Ok, je coupe. Magnéto off, mixture off. Donc là il est off le moteur là ? Ouais. D'accord. Là tu vois je mets des gaz, ça fait rien. Ah, ça y est, je la vois sourire. Ouais, c'est génial, dit. Le terrain, il est bien fichu, hein. Tu veux te poser, Damien ? Et avec un train d'atterrissage, c'est mieux ? Ouais, ouais, je sais, mais j'essaie de le sortir le plus tard possible pour garder ma vitesse au maximum. La carcasse me fait un peu peur. Mmh. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Alors après, je sais pas, parce qu'il y a le... Tu sais, le... Le rebond d'atterrissage. Ouais, non, mais c'est ça. Mais avec le réseau, c'est pas forcément hyper fiable. Mais apparemment, ça va l'air d'être plutôt bien, ouais. Voire même très bien. Ouais. Effectivement. Il s'est arrêté tout seul, le moteur. Ouais. Ouais, en fait, c'est marrant. C'est le vent qui le fait tourner, en fait. Enfin, c'est la vitesse de l'avion qui le fait tourner. Ouais. Bien joué. Tu es prêt Thierry ? Ouais, je suis prêt. Et voilà, et dès que je suis au sol, tout le monde décolle, tout le monde est en l'air. Tu fais attention, t'as les volets de sortie, hein. Ah oui, c'est vrai. Bah tu me dis quand tu redécolles, Ça aide pas, hein. Si tu veux. Alors c'est vrai qu'il y a une épave en plein milieu de la piste. Quel est le sagouin qui s'est viandé là ? Ah, Dominique, t'as changé de livret. Ah bon ? Ah ouais. Oui, j'ai plus en haut, là. Je suis avec toi, Dominique. Fais attention, ta roulette elle est pas dans l'axe. Hein. Bon, alors qui c'est qui est encore en P51 là ? Allez, hop, elle repart, hop, Martial et. Martial et qui ? Par contre, t'es pas dans l'axe là, du coup. Hein. Elle est dans l'axe, mais toi t'es pas dans l'axe de la piste, tu vas finir dans la falaise.
Ah oui, Dominique, bien sûr. Voilà. Et il y a falaise, le village en face. En fait. Bon, la prochaine fois, Damien, ça sera Dominique à chasser et Martial. Bon, là, t'es pas mal, là. Mettez-moi des hélicos, vous allez voir comme je vais vous chasser. Au moins, allez, 18. Allez. Donc, là, t'es bien, là. Là t'es, en plus, tu vas éviter la, les passes qu'il y a devant, c'est bien. Ok, hop. Allez, on va aller. Allez, on est parti. Ou je peux aussi vous préparer une mission sympa. Ah, ouais, c'est bien, tu mets le pied dès le démarrage, ça va, ça se voit. Donc, tu quittes comme ça, tu l'empêches de. Voilà, sinon il embarque. Voilà. Là, t'en mets un peu trop par contre. Hein. Et là, tu vas finir dans la. Dans le... Et je vois José Remenes qui est au décollage. Ouais, bien joué. Deuxième décollage réussi. Allez, rentre le train, rentre le train. Et celui-là, il était plutôt pas mal. J'ai chopé la montée initiale, moi, c'est... Voilà. Ferme la verrière. Ouais, tu fermes bien. La verrière après le décollage. Ouais. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, je sais pas si tu peux voler à fond les... À fond les gamelles avec la verrière ouverte. Ouais. Ça fait aussi aérofrein quand même. Bah enfin, oui. Aérofrein. Ça va... Bon allez, je rejoins Damien au roulage. Ouais, je vais décoller depuis le taxi, ouais, moi j'ai pas le temps. Allez, ok, je suis avec toi. Je décolle aussi, moi. Ouais. Alors vu qu'il est qui là. Là je vous laisse. Ok, Marc. C'est Marc hein, qui parle. Ouais, c'est moi. Bonne Yes, Marc. Bonne nuit. À la prochaine. À bientôt. Okay. Ciao. Bah, à mardi. Ciao. Bon dimanche. Ciao. Bon, alors, nous avons donc un Damien en l'air. Et un Chuck. Il est où le Chuck? T'es où, Martial? Ah, au sol. Je fais du design avec Maurice. Ah. Bon, ben, trouve Dominique alors. Je sais pas où il est. Qui c'est qui est en speed là-bas? Ouais, je viens de décoller. Ah ben Sunbeam alors, allez hop. Derrière toi. Je voulais faire un tour de piste avec Ah ouais, d'accord. Tango, t'es où? Ok, il est au sol. Allez, vol formation avec Tango. En bas à ta droite. Bon, Tango leader pour le moment. J'arrive à ta gauche. Ok, il est 42, on part pour un exercice formation de 5 minutes. Je te vois là, je passe sur ta... Ah ouais, ça y est, je te vois. J'ai mon manche qui est en école. T'as les étiquettes activées ou désactivées, Damien? Activées pour trouver les personnes en vert. D'accord. Ok, ben voilà, très bien. Ah, merde. Vu que je l'ai enlevé, je l'ai désactivé. Yes. Ouais, c'est ce que j'ai fait aussi tout à l'heure. Ton moteur qui s'arrête. Ah oui. Bon, allez. Si tu pourrais rester trop longtemps dans le rouge, ton moteur par là. Bah non. Je vais tirer ma révérence aussi. Ok, nickel. Allez, dans 7 secondes, il est 42. Et il faut tenir cette formation pendant une minute non-stop. Maintenant. Moi aussi. Ok. Voilà, une minute comme ça. Et puis je vous dirai de faire une évolution ou pas. C'est quoi une évolution? Ah bah, un virage droite, gauche, quelque chose. Voilà, je suis en dessous de 120. Ouais, non, mais 120, 120, 110, il tient. Joli, très joli. Je sais pas quelle altitude.
Là, je suis... Allez, le chef de formation, virage à gauche. Ouais. Là, tu vas partir, là. Virage gauche, le grey top. Là, je pensais qu'il était plus haut que ça. Maintenir en virage, hein. Oh putain, il freeze, là, c'est pénible. C'est bon. Attends, j'ai encore du carburant. Ouais, bah, mieux pour maintenir, mais pour l'instant, ça se passe plus. Non, non, c'est très très bien, là, c'est très très bien, impeccable. Bon, les gars, faudrait peut-être arrêter d'encombrer l'entrée de piste comme ça, hein. Ouais. Je vais faire un peu de ménage, moi, hein. Allez, on va faire un virage plus serré maintenant. Joli. Allez, on descend vers le sol maintenant. Sans pied cible. Ok, direction le terrain en face là-bas, à plat. Sans pied cible, hein. En formation toujours pareil, c'est super les gars. Excellent. Baïonnette légèrement à droite, 20 degrés. Maintenant, vraiment, franchement sur la côte, là, vraiment sur la côte. Sans pied toujours, hein, là comme vous êtes, hein. Passage basse altitude sur la côte, hein. Montez 200 pieds. Hein? Où est-ce qu'elle est l'altitude là-dessus? Ok, là vous êtes sans pied. Allez, 40 degrés à droite pour le leader. Bon, il y a un terrain en face de vous là. Voilà. Basse altitude sur le terrain, formation. Tous les décollages et atterrissages sont figés. Deux appareils en formation. Excellent. Allez. Il y a un donc devant vous à deux nautiques. Vous l'engagez tous les deux en formation. Dominique, vas-y, reste comme ça. C'est juste pour qu'il vienne vers toi. Ah, j'ai trop vite alors, probablement. Je ralentis. Non, non, c'est bon. Allez, attention. Engagez-le maintenant, il vire à gauche là. Allez, hop, c'est parti. Faut le suivre. C'est l'exercice. Je ralentis là. J'étais à 400. Faut le suivre en formation. Enfin, faut l'engager en formation. C'est bien. 0,7 nautique devant. Je le vois, mais c'est un point noir. Ah ouais, t'inquiète, je vais vous guider là. C'est juste pour la manœuvre. Allez-y, fondez dessus. Je suis au max niveau moteur. D'accord. Ah, j'ai trop vite, c'est pour ça, je ralentis. Donc il y a Dango qui passera à droite et Mobilette à gauche en le rafalant gentiment. Attention Tristan, t'es en train de perdre du terrain. Je suis à 2,5 en boostant. Ouais, je sais pas trop. Ah, t'es en train de casser la formation Damien là. Je ralentis. J'ai pas l'air décollé Thierry, ouais. Mais je t'ai vu au bout de piste là, ouais. Ok, c'est bon, il a récupéré, il est à droite. Ouais. Allez, donc un à droite, un à gauche, et une petite rafale au passage pour faire plaisir. En serrant l'avion. Ouais, c'est bien, c'est très bien. Nickel. Allez, rafalez tous les deux, là. Ta-ta-ta-ta-ta. Bien, ouf, ouais, joli. Ça a été chaud, mais joli.
Allez, je vous dis bonsoir. Yes. Bonsoir, Chuck. Ciao, Chuck. Bonne nuit. Bonne nuit, Chuck. À la prochaine. À la prochaine. Merci pour la soirée. Ouh, les mecs, en bas, il y a un rocher avec une petite falaise. J'ai comme une idée de la prochaine, du prochain exercice. Ok, vous continuez tout droit. Et hey Dominique, tu peux participer à la formation si tu veux. Bah, est-ce qu'il y a la formation, non? Je sais pas, je te vois plus. Ah, j'ai pas bougé, hein. Non, non, mais c'est bon, ils sont descendus, eux. Alors, je vais vous dire quoi faire, là. Alors, on va faire un exercice, ça va être un peu plus compliqué, là. Damien, t'es à gauche. Tristan, t'es à droite. Ok, vous êtes bien comme ça. Vous m'écoutez bien. Damien, tu vas partir en virage à droite. Et Tango va partir en virage à gauche. Ok. Le but, ça va être de faire un demi-tour, de vous rejoindre et de passer vertical du piton rocheux qui est là-bas, en formation. Alors, j'essaye d'évaluer un peu les distances et tout. Ok, attention au top pour la manœuvre, sans vous planter. 3, 2, 1, maintenant. Joli. Allez, je te suis, Damien. C'est bon, Thierry, t'es prêt à décoller? Ouais. Impeccable, c'est magnifique. Super. Sinon, ok, Damien à gauche, Tristan à droite. Pour pas être embêté par la carcasse. Ouais, ouais. Je l'ai pas. Attention, Damien à gauche, Tristan à droite. Il y a les barres qui sont un peu plus près. Et il faut passer entre le piton et la falaise. Tu dois pouvoir rocher la main. Ouais, ouais, le rocher en face là, ouais, ouais. T'es dans l'axe, c'est bien. Parfait. Ok. Très bien. Ok, Damien, t'as le droit de passer devant et de rafaler au moment que tu passes entre les deux. Je suis là, dans l'axe, c'est bon. Ouais, ouais, c'est bon. Enfin, vous êtes à peu près tous les deux dans l'axe. Vas-y, laisse-le passer devant toi. Damien, tu vas passer entre les deux. Il faut que je rafale en plus. Et tu rafales en plus au moment où tu passes. Je passe entre le rocher et le truc. Allez, vas-y. Ah ouais, il y a des mouettes. Ouais, bien, t'as touché le rocher en plus. Wow, excellent. Et où Tristan? Derrière. Ah ouais, ok. Excellent, bien, parfait Damien. Allez, vas-y, fais-toi plaisir. Passage basse altitude sur le taxiway à gauche là. Tu le rejoins hein, Tristan? Ah ouais. Ouais, allez, bien. Entre les arbres en prime, c'est parfait, bien. Allez, laisse Damien, Tristan te rejoindre pour la dernière partie. Les 07 nautiques derrière. Ah non, c'est Dominique. Ah, bah avec Dominique, tiens. Tristan est en dessous, à toi à gauche. Non, je vois. Ok, très bon. Vas-y, rattrape-le. Ouais, je suis arrivé très vite. Sunbeam a 2 nautiques. Décoller la Thierry, c'est bon. Hein. Ouais. Ok, passage basse altitude évidemment. Un à gauche, un à droite de la piste. Ok. Décolle à quelle vitesse? Je t'avoue que je regarde pas la vitesse, je regarde déjà si je reste sur la piste. D'accord. Je me prends encore en hélico, tu feras trop la terre. Bon, on va essayer d'intégrer l'avant arrière. On se retrouve sur un autre terrain, si tu veux. Vous pouvez pas m'entendre, j'avais coupé le micro. Dans 10 secondes, vous êtes en formation, vous allez faire une montée rapide à 5000 pieds tous les deux. 4, 3, 2, 1, maintenant.
Vous gérez comme vous voulez, mais vous montez rapide. Ah bah y'a un terrain juste devant, là on se pose devant, on se pose sur celui-là, non ? Demi de pied. Je le vois plus. Il est en dessous de toi. Ah Thierry ? Oui ? Je dis y'a un terrain là sur derrière, là. Ok, c'est bon, tu le récupères. Ah c'est le... ouais ouais, oh, d'accord. Oh là là là. 3000 pieds. J'ai mon moteur qui perd la puissance. Alors on va prendre... Attends, t'es dans quel sens ? Je vois pas bien. Ok, récupérer la formation. Dans l'axe de la piste. Ok. D'accord. Vous êtes à 3500, c'est pas grave. Mettez la formation et à droite, il y a un gros nuage à votre droite vous aussi, non ? Ouais, ouais, voilà. Donc vous montez encore de 500-600 pieds, enfin 500 pieds on va dire en formation. Mais vous allez rentrer dans le nuage et vous tenez la formation. Donc là t'as préparé ta machine pour te poser ? Oui. D'accord. On sort le train aussi. Non, moi j'aurais dû. Bon, il est pas gros, c'est pas grave. Allez, encore un peu à droite, là 20 degrés ou 30 degrés à droite. Je réduis tout pour sortir le train. C'est bien. Un peu plus haut, 200-300 pieds plus haut. Fais un petit pas, hein, manette vers l'avant pour le pas d'hélice. Tu l'as en face hein. Ouais, juste en face de toi là, t'es dedans là, enfin vous t'y arrives. Vous avez quelque chose ou pas vous ? Non, il est plus loin. Enfin moi il est plus loin. Oula. Donc là on est à 120 là. Ouais bah continuez, continuez. On va voir là, effectivement il était pas bien épais. Vous en avez un devant vous encore là ? Oui. Ok. Tu maintiens la vitesse vers entre 100, entre vers 110. Ah ça quoi, c'est une formation serrée. Ouais. Voilà, ça c'est de la formation. Ouais, je l'avais ouverte quand je suis passé sur le piton rocheux. Et au cas où. Et tu sors les volets quand, bah, quand tu estimes que c'est nécessaire. Ah, mais remonte pas comme ça, remonte pas comme ça. J'ai pas cassé la gueule, pas comme ça. L'atterrissage était pas très. Ok. Non, pas bien. J'ai pas cassé l'avion. Bon, ben les nuages ils sont pas vraiment gros donc. Je regarde pour la prochaine évolution. Voilà un petit nuage. J'ai trouvé l'exercice suivant. Dès que vous sortez du nuage, pour moi, je vous le dis. Léger freeze. Vous avez fini là ? C'est bon, vous êtes sorti du nuage ? Ok, alors en formation, vous faites un virage à gauche pour faire un 270 degrés. Et sur vos arrières droits, donc il y a un terrain, vous faites un passage basse altitude. Maintenant. Donc c'est pas celui-là. Donc descendez le plus vite possible. Hein. On va dire genre 1000 pieds. Ah merde, j'ai perdu de vue ce terrain. Ah non, il est là-bas à gauche. Ah, je crois que c'est ça. Bientôt. Voilà, il est sur ton avant-gauche, Tristan, en principe. Ouais. Là, je vais arriver en barrière. Je le vois plus, merde. Ah ouais, il est en vente arrière. Donc il est 45 degrés à droite. Allez-y, 45 degrés à votre droite là. Foncez dessus et vous le. Oh putain, il y a un pont là-dessous, les gars. Il y a un pont. Oui. Voilà. A priori, vous allez passer dessus. Allez, est à gauche, avant gauche. 9h. Effectivement. Bien bas, moi je trouve. Hein. Ouais, ouais. ouais, je sais plus où il est. C'est pas grave, c'est une formation basse altitude. Ça se trouve, vous allez y tomber dessus. Alors attends, je vais faire un petit F10. Alors ça marche pas. Il y a un terrain sinon à 45 degrés gauche. Ah, bah c'est bon, parti. Ah oui, celui qui a la mer là-bas, ouais.
Bon, il est 23h58 et 37 secondes. Le dernier exercice débute dans 1 minute 20. Ah, minuit. Joli. Belle formation là. Ouais. C'est très très beau. Ah non, non, franchement là c'est épatant. Je filme, hein. Fourier. Juste à votre avant gauche, il y a une, il y a une, il y a une usine. Un à gauche, un à droite. Vous avez le droit de rafaler. Enfin, jamais un droit de rafaler. Faut pas qu'il touche son ailier. Petit tir, c'est pas bien ça. Impeccable, parfait. Pff, oh là 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 là. Un professionnel, ne t'inquiète pas. Ouais, 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 ouais. Non, oui. Non. Il n'a toujours pas compris. Attention, dans 20 secondes, la dernière, enfin le dernier exercice, probablement le dernier exercice. Montez 2000 pieds maintenant, là tout de suite, vous avez 15 secondes. En formation. Bon. 5 secondes, ok, c'est bon, vous êtes 1000 pieds, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Damien à droite, Tristan à gauche, break, maintenant engagez le combat. Damien, tu as 4 minutes au minimum pour toucher Tango et le forcer à se poser. Pas la battre, le forcer à se poser. Avec toutes les balles que tu m'as fait tirer avant. En plus, il va falloir que je remette les étiquettes parce que je ne vois pas. Hop, il est derrière toi là. Ok. Ah, Tristan! Je l'ai forcé à se poser. Exactement, je me suis fait avoir. Il est où Dominique? Je le regardais trop et je me suis fait avoir. Moi je suis rien, je les regarde. Il y a un appareil à 7 nautiques devant toi là. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas qui c'est. T'as le droit de lui foncer dessus. C'est un certain Sunbeam 76. Ok. Je suis pas sûr, ça peut être Thierry qui a redécollé. Il n'a pas volé longtemps, Thierry. Ah, le décollage s'est mal passé. Interception de l'appareil là. Bah, c'est bon, je crois que j'en ai. Tu me permettras aussi de modifier un petit peu la mission, de mettre des petits trucs un peu plus. Ah oui, fais-toi plaisir, hein. Fais ce que tu veux, là c'était juste un petit truc pour se connecter ce soir. Hein. D'accord. Donc là je sais pas qui c'est qui est dedans, mais il y a quelqu'un. Voilà. La 4 nautique, 3 nautiques. Il y a des trucs un peu. Style faire de la formation de protection sur les B29. B17, pardon. Ouais, parce que B29, on va avoir du mal à les suivre. Ouais. Du B17, formation. Faire de la formation, enfin, de couvert B17. C'est Sunbeam, alors si c'est Sunbeam, tu l'engages. C'est Sunbeam, bah... Allez hop. Ok, c'est parti. T'as le droit de te défendre Sunbeam, hein. Bah crois-tu? Ah bah oui, hein. Ah non, tu pourrais faire l'avion cible, ça serait facile. On va dire que l'engagement a été commencé à 2 minutes. Minuit 2. Est-ce que tout le monde a l'asset pack En principe, oui. Ouais, je crois. Peut-être bien. Pas Marc, je sais plus. Si, si, je crois qu'il l'avait. Bon, c'est histoire de mettre des barges de débarquement, toi, des trucs comme ça, quoi. Ouais, ouais, habiller un peu le. Voilà, ouais. Voilà. Et là, c'est un petit terrible, là, quand même. Mais bon, on s'est quand même bien amusé. Wouah, touché, bien, joli.
Tu sais quoi, Bruno? Non. Tu veux que je te dise, bon. T'as un sale morbac au cul. Ah ouais, c'est bien. Excellent. Excellent, Damien, excellent. Et par contre, finir là. Ouais, voilà, l'arme. Ok, bon, allez, on va dire qu'il est validé. T'as vu le, l'usine en face de toi encore là? Défoule-toi dessus. Il veut te faire finir tout ça. Ouais. Après, je vais essayer de le finir. T'es où, Tristan? Moi, je suis au sol, je suis resté sur place, là, je regarde. D'accord. Bon, par contre, je sais pas où t'es là en fait. Bah, t'es en face à l'usine. Ouais, bah, c'est peut-être celle du terrain, je sais pas. Ouais, c'est celle qui est près de la côte. Ok. Ah, bien, un tir à distance là, c'est nickel. Bien joué. Bon, alors tu vas nous faire un atterrissage dans les règles de l'art sur le terrain. Et en fonction de ça, on verra. Voilà, et elle prend statut sur ton cas. C'est parti. Et n'empêche, ça fait plus de. Ça doit faire une bonne demi-heure là qu'on est parti dans l'exercice. Hein. Ouais. Peut-être même 40 ou 45 minutes, je sais pas. Le réservoir, normalement, c'est bon. Ouais. Je suis le qui est en dessous qui est encore plein. Poser là. Ouais. Ah ouais. Ah, tu étais vente arrière. Ouais. Je fais vente arrière, puis intégration finale, puis. Les saumons. Laisse-le faire. Comme ça, faible vitesse, c'est dur, hein. Oh non. Je suis un professionnel. Ah, on verra ça dans une minute. En plus, j'entends ma copine qui m'envoie des messages. Je peux pas répondre, super. Dominique. Ouvre la derrière. Ouais. Ah, beau. Voilà. Beau quand même. Ça, c'est dans... tout en fout de la truc qui est devant, ça va passer. Voilà, ouais. Ça, c'est dans les règles de l'art. Ça, c'est dans les règles de l'art. Allez, un petit roulage vers le chef de patrouille. Ouais, beau. Ah non, beau. Ouais. Ouais, faut laisser faire. Merde. Faut que je remonte toute la piste là. Ouais. Je peux couper. Bah, vas-y, coupe. 180. Bon. Qu'en pense le chef de patrouille? Enfin, le chef de formation plus exactement. Moi, je dirais que le grade est mérité. Ouais. Qu'en pense le spectateur? Dominique? À moi, parfait. Bon, qui c'est qui est encore avec nous, Sunbeam? Oui, moi je suis encore là aussi. Thierry, mais tu as pu le suivre, Thierry? Oui, j'ai pu le suivre, ouais. Nickel. Alors, qu'en pense Thierry? Ah, c'est bon pour moi. Et Sunbeam?
Sunbeam, je l'entends de l'autre côté de ma porte, mais il a dû couper son micro. Ah, d'accord. Exact. J'entends un écho de l'autre côté de ma porte, mais c'est tout. Ah bon, vous habitez à côté ? D'accord. Une porte d'écart. Alors, Bruno ? Ah oui, c'est bon. Dominique, tu as dit que c'était très bien. Ah oui. C'est à moi de parler alors, c'est ça ? C'est ça. Oui. Le général doit parler. Ah ouais. Ah ouais, tu m'étonnes que c'est bon. Roulement de tambour. C'était excellent, oui, tu rigoles. C'est super, Damien. Super spectacle, bien joué, parfait. Par contre, je te propose, je dirais Olama. Je te propose que j'achalande un peu la mission. Et la prochaine fois, on vole, bah, vous verrez la différence. D'accord. Ouais. Très bien. Pas de problème, pas on fait de méchant, comme ça. Hein. Je dis bien pas de méchant, qu'on soit, qu'on décolle safe, tout ça. Mais il y aura plus, un peu plus de vie sur la Seconde Guerre mondiale. D'accord, voilà. Parfait. Okay. Voilà, avec un parking dans les règles de l'art aussi. Voilà. Regarde ça là. Recréer l'ambiance du J plus 1. Voilà. Avec un que chasser. Pouah, Damien, parfait. Bon, allez, hey, tu l'as remporté haut la main et avec tout ce qu'on peut dire comme au roi et tout ce que tu voudras. Excellent, c'était simplement excellent, vraiment génial. Je fais pas aussi bien, je le dis tout de suite. Hein. Ça c'est clair. Ouais, mais je suis un professionnel. Voilà, maintenant tu peux le dire. Maintenant tu peux le dire. Bon allez, bon ben Tristan, tu sais qui te reste à faire. Hein. C'est déjà fait. C'est déjà fait, nickel. Bon ben écoute, tu pourras regarder le live, tu vas voir, c'était vraiment bien. Moi j'ai la vidéo. Je te l'enverrai aussi si tu veux. Yes. Et vous franchement. Aussi regarder le live version oui. Regular line. Yes. T'as oui, d'accord, avec les suivis, certains passages, ouais, c'est vrai que ça sera sympa ça. Mm. Bon, bah écoute, on t'en ? Bah ouais. C'était comment j'ai ce. J'ai flippé deux, trois fois, mais. Ah bah oui, enfin, mais c'est sûr. Le plus chaud, c'était les rochers. Ouais. Je sais pas comment je suis passé, mais. Ah non, bah écoute, t'as bien géré l'altitude, l'axe, tout. C'est impeccable. Moi, j'étais juste derrière toi. Je t'ai vu passer entre les deux. En plus, quand t'as fait une rafale, t'as touché la partie basse, enfin la partie haute du rocher, tu sais, qui était au milieu. Mmh. Excellent. Et franchement, le spectacle derrière, c'était top. impeccable. Ah ouais, non, c'est super bien joué. Bon, bah écoute, voilà, ça y est. Tu vois, comme ça, c'était bon là. Tu vois, là au moins, ça fait vraiment quelque chose de. Et en plus de ça, l'exercice a duré quand même assez longtemps, donc. Sous la pression entre guillemets du temps et tout ça, la concentration, donc c'est super bien tenu. Impec. Ouais. J'ai chaud. Ah bah tu peux hein. Tu peux. Je rappelle sur mon stream là. Sur mon stream, donc la musique que vous entendez, c'est de Takimu Zero. C'est aussi en IRL un mécanicien sur Tigre qui est basé au Luc. Et il stream aussi souvent sur DSS World, qui fait des superbes vidéos. Et là, vous entendez, c'est de sa musique, qui fait aussi parce que c'est un musicien. On va aller écouter ça à l'occasion aussi, alors. Bon, ben, Bruno... C'est un peu mordier, hein. D'accord. Bruno, tu sais ce qu'il te reste à faire, là. Ah oui, là, je vais aller me coucher. Bon, Thierry, qu'est-ce que ça pensait de cette première session, alors ? Ah ben, écoute, c'était super. C'était laborieux au début, mais après... Ouais, bah oui. Voilà. Moi, ça va rentrer. Hein. Oui, bah oui, de toute façon. Ah oui, bah on est passé par là. Hein. Ouais, c'est clair. Bah, ça fait depuis novembre qu'on y joue. Bon, à raison d'à peu près une fois par mois, hein, pour ce qui me concerne, et un peu plus souvent pour Damien, Tristan, même Bruno, ouais, peut-être à l'occasion. J'en fais un petit de temps en temps quand même, ouais. C'est par période, quoi. Bon. Mais il faut s'entraîner, quoi. C'est toujours la même chose. Ah ouais, c'est clair. Faut en faire souvent parce que sinon on perd vite. Ouais. Bon, bah écoute, c'est parfait. Et ben sur ce, ça fait quand même déjà 3h09 de streaming. Donc, sur ce, et pour un petit pipi bourra pour Damien, pour le lieutenant Damien, allez, on va se quitter. Bonne nuit, super bien joué. Ciao, allez, bye bye. Et bonne nuit sur Azure également. Au revoir. Allez, et on voit le pilote au final. Waouh, c'est beau ça. Allez, ciao à tous. Ciao. Salut. Voilà, j'ai arrêté le stream, moi. Bon, ben, un nouveau lieutenant. Voilà.
Et on finit avec ton écusson sur le live, Damien. Ah oui, tu le vois ? Oui, il arrive, il arrive. Allez, je vais arrêter le streaming sur l'autre. Arrêter le flux. Et on arrête le streaming ici. Voilà. Comment ça s'arrête ? Et j'avais quand même une soixantaine de personnes à un moment-là qui m'ont suivi. Ah oui ? Ben ouais, je sais pas ce qu'il me fait là. Il veut pas arrêter la vidéo locale. UAC error. Ah, bon, alors ça on s'en fout. Il voulait pas lancer ta sauvegarde locale et maintenant il va plus. Ouais. Attention, je vais arrêter le serveur.